Regardez mon contrôle là, dit Christ au courant. Christ au courant. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Right. Romains chapitre 8, les versets 1 et 2. Romains chapitre 8, les versets 1 et 2. On nous lit ensemble. Il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On nous dit gloire. Je pas trop long avec l'après-midi. Je seulement réfléchi sur verset ça bien rapidement. Pendant toute année, on a enseigné sur grandir dans l'amour de Christ. La parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Nous, ouais, que trois dimensions d'amour. Premièrement, besoin de mon Dieu. Deuxièmement, besoin de mon prochain. Troisièmement, ou besoin de mon tête. Donc, dans trois premiers mois d'année, nous t'es focalisé sur qui ça vous fait pour aimer mon Dieu. Six mois en après, nous t'es focalisé comment pour aimer prochain. Et trois derniers mois, nous dédiés sur comment pour aimer tête part. Donc depuis l'année dernière, depuis le mois dernier, nous commençons à parler de comment pour aimer tête part. Et nous avons nous dit, la clé, le secret pour aimer tête ou c'est lors qu'on est qui est-ce qu'on y est en Jésus. Est-ce qu'on avait même? Si on regarde tête ou selon la chair, on regarde tête ou avec toute faiblesse ou on regarde tête ou avec tout problème ou on regarde tête ou avec tout manquement ou pas jamais arriver, on toujours joindre un bagage qu'on pas remet dans tête ou qu'on t'a remet changer qui faut pas fier de tête ou. Mais lorsqu'on est qui est-ce qu'on est en Jésus? Lorsqu'on est qui est-ce que Jésus fait, lorsqu'on est identité en Jésus, ou pas capable de nouvelle personne que Jésus fait. La Bible dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne vais pas aimer ancienne créature, mais nouvelle créature que Jésus fait, m'obligerait même sous comprendre samedi à dire gloire. Donc, leur comprendre qui est-ce qu'on est, leur comprendre qui trésor, bon Dieu mettait dans où, leur comprendre qui grâce que tu, bon Dieu mettait dans où, leur comprendre qui potentiel que bon Dieu mettait dans où, ou pas qu'à, pas apprécier tout. Tout. Quelquefois, leur selon la chair, vous t'avez découragé. Mais leur regarder selon l'esprit, et pour qu'on qui est souillé, qui prie le pays, et qui est-ce que le foyer en Christ, eh bien, vous obligez content de façon que bon Dieu crée là. Est-ce que l'avez-même? Donc, je dis à nous voulons partager une grâce que Jésus déposait dans nous. Moune qui naît de nouveau, il y a une grâce qui n'en lit. Aïe. Il y a une grâce qui n'en lit, qui est la loi de l'esprit de vie. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est moune qui est régénéré en Jésus. L'or régénéré en Jésus, il y a une grâce que le mettait dans nous, qui est la loi de l'esprit de vie. Je comprends ça, la loi de l'esprit de vie. Ou pas capable d'apprécier qui est Christ foyer, qui est l'éternel foyer, qui est souillant Jésus. Lorsqu'on est qui grâce qui est en dedans. Regardez qui ça l'apôtre Paul dit, et nous allons regarder de près. Il commence dans le verset 1er. Il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis qu'on y a expliqué ça, il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, en d'autres termes, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Maintenant, auteur l'a commencé là avec un mot. Il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Pour qui ça lui introduit le terme condamnation? Pour qui ça lui introduit le vocable condamnation? Côté mot condamnation en sorti. Si nous songeons dans le livre de la Genèse,
Les bon Dieu t'a créé l'homme. Il t'a dit comme ça que tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, il dit comme ça qu'on pas va toucher. Mais nous songeons histoire là bien. Eh bien, Adam et Ève t'ont pris fruit et ils t'ont mangé du fruit défendu. Eh bien, sous l'instigation de Satan le diable. Et lorsque ils ont fini de manger, la Bible dit comme ça, bon Dieu t'est paraît. Il t'a dit, Adam, où es-tu? Et puis Adam dit comme ça, eh bien, je suis nu, je me suis caché. Et puis la Bible dit comme ça, l'Éternel dit, comment on fait qu'on est connu? Eh bien, l'Éternel dit, est-ce qu'on mangeait du fruit défendu? Eh bien, c'est alors que bon, l'Éternel relève, il joue avec Adam. Eh bien, il relève Adam en jugement. Il prononce, il relève en jugement. Il pose une question. Même j'en ai eu en jugement, dans le tribunal. Ils posent des questions. Qui compte-t-il? À tel qui sort à faire? Pour qui sort à faire? Bon Dieu, relève Adam en jugement. Il dit, as-tu mangé du fruit défendu? Et c'est là ça Adam répond. Les Adam répond oui. Il dit, pour qui ça ou manger du fruit défendu? Eh bien, il dit comme ça, c'est parce que, eh bien, et madame, moi, t'es pas moi, Ève, t'es pas moi. Elle dit, Ève, et ou même? Ou elle est au tribunal tout. Pour qui ça ou t'es mangé? Il dit, c'est parce que serpent t'a séduit. Est-ce que vous avez ça m'a dit? Hein? Et puis, Kounia, il dit, serpent. Sous remarque, elle pas mangé serpent lui-même. Pour qui sont séduits? Parce que l'Éternel pas bat diable la parole. Va comprendre ça me dit là. L'Éternel pas mandé Satan pour qu'il soit séduit. Il dit parce que le serpent m'a séduit et puis même moment, il dit Satan le diable, le serpent, et bien ils diront ça ou que pour ramper et bien toute graine joue dans la vie et pour que pour manger la poussière. Bon Dieu prononcer un jugement contre Satan le diable. Après ça, il dit femme non ou même jugement parle et bien il dit qu'on sa douleur de l'enfantement, eh bien, l'ikempoule a augmenté parce que tu as mangé du fruit descendu. Et puis il dit, Adam lui-même, eh bien, il dit, Adam, eh bien, c'est à la sueur de ton front que ou pour manger. Et puis après, il finit dit ça, il prononçait un jugement final qui relève une condamnation. Il dit, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Donc, dès ce jour que mon Dieu prononce ces paroles, ça, qu'on condamnation qu'a pendié tant qu'il y a une épée Damoclès sous tête l'humanité. L'humanité sortit dans le jardin d'Éden avec une condamnation. Condamnation qui était sous tête Adam, il passait par Caïn avec Abel, li passait par Pititiol, passait par Abraham, li passait par Josué. Et l'humanité entière vit née sous une condamnation. Maintenant, comment condamnation s'est manifestée? Regardez dans verset 2, vous avez remarqué le bon deux façons que cette condamnation manifestée. Il dit, en effet, il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il dit, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il dit comme ça, que condamnation manifestait deux gens. Il manifestait à travers le péché et il manifestait à travers la mort. Condamnation qui était sous tête Adam, que le bail toute l'humanité a, manifestait deux gens. Il manifestait à travers le péché, parce que Adam passait péché à bail tout le monde, et puis il manifestait avec la mort. Parce que Satan le dit, parce que Adam baille tout le monde la mort là. Donc c'est ça que fait plus tard, lorsque David Bral écrit dans le psaume 51, après il t'a fini prêcher contre bon Dieu, et puis il t'a commis le péché de Bathsheba, et puis il t'a confessé. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et puis il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Depuis l'aime fait, moi fait avec une condamnation. Iniquité sous tête moi. Depuis l'aime fait, moi fait avec une condamnation péché dans moi-même. Donc c'est condamnation ça, eh bien que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, le verset 2, lit la loi du péché et de la mort. Maintenant, va m'expliquer. Il y a quelqu'un qui ne doit pas comprendre qui ça y a une loi
ye. Qui ça yon loi ye? Yon loi qui ça lié? Yon loi c'est yon force. Yon loi c'est yon force. Eh bien qui c'est yon force qui a fonctionné dans la nature. Ça y aurait yon loi. Si force là a fonctionné dans la nature et puis l'a fonctionné tout côté, y aurait yon loi. Donc par exemple, le nous t'es petit, eh bien nous t'es apprendre la loi de la gravité. La loi de la gravité, ou bien quelquefois, il y aurait la loi de la pesanteur. Il y a dit la loi de la gravité qui s'allie, c'est une force qui attire tout objet vers le centre de la terre. C'est une force qui attire tout objet vers le centre de la terre. Ça, ça veut dire, si m'lage 4 sala, m'lage 4 sala même, si m'lage, m'lage, m'pas besoin pousser pour le tomber. Aussitôt que m'lage, bon force qui râle descend, qui est la loi de la gravité. Que ces cartes là, que ces mouchoirs là, que ces gloires, que ces iPads là, quel que soit objet me laisse tomber, force là a râle descend. C'est ça y aurait yon relé yon loi. Ça fait yon loi qui s'allie, yon loi son force. Yon loi son principe, yon loi son puissance qui a exercé sur des objets dans la nature. Et non seulement li exercé là, mais soit le Canada l'a fait même bagaille là, soit aller en France l'a fait même bagaille là, soit aller Venezuela l'a fait même bagaille là, en 1979 li t'a fait même bagaille là, 2005 li t'a fait même bagaille là, 2020 l'a fait même bagaille là. C'est yon loi universelle, c'est yon force qui exercé sur la nature. Donc le l'apôtre Paul campé là et puis il dit comme ça, regardez, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Et puis il dit la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul dit comme ça, non moi-même, attendez bien, oui, il dit non moi-même, à cause moi c'est fils d'Adam, il dit non moi-même, moi j'ai une loi qui a fonctionné. Et loi elle est la loi du péché. Ça veut dire, loi veut dire une force. Même j'ai la gravité, c'est une force qui a bralé toute bagaille. Il dit, il y a une loi qui est moins, qui est la loi du péché. Ça veut dire, en dame, une force. En dame, une force. C'est ça que fait lorsque David t'a fait péché. Et puis il a répondu, il dit, Seigneur, ce n'est pas bagaille mal, moi t'as voulu faire. Ce n'est pas adultère, ce n'est pas Bethsheba. Mais il dit, l'aime fait, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je vois une force qui n'a moins qu'à râler dans la direction péché. Et pas penser que c'est seulement David qui t'a fait face à la loi, ça, non? L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, ça veut dire dans le chapitre avant. Même loi ça David te fait avec là. L'apôtre Paul te fait face avec tout. L'apôtre Paul qu'on côté arrivé, il dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et puis il dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais il dit moi trouver gon loi dans moi trouver gon force qu'a opéré dans mes membres, qu'a attiré vers le péché. Est-ce que nous comprenons ça, Mme Alain? Donc c'est ça la Bible, il y a une condamnation. Il y a une condamnation, c'est que à partir du moment que Adam vient pécher, il active une force dans l'homme qui a attiré l'homme vers le péché. Est-ce que nous comprenons ça, Mme Diala? Qui a attiré l'homme vers le péché. Donc, ça c'est sacré la loi. Il dit la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché. Force ça. Nous sommes parlé de l'IA, c'est l'Ikrele, la loi du péché. La loi du péché, son force, qui a poussé vers adultère, qui a poussé vers vol, qui a poussé vers mensonge. Il y a quelquefois qu'on doit parler comme ça, et puis soudainement, on va exagérer les choses. Une force qui a poussé dans la direction ça. Une force qui a poussé pour jaloux. Une force qui a poussé pour envieux. Une force qui a poussé pour papa, pardonnez-moi. Une force qui a poussé vers la vengeance. La Bible relève ça, la loi du péché. Mais non seulement il y a la loi du péché, mais il ajoute un bagage. Il dit la loi du péché est de la mort. Pour qui ça? Parce que le salaire du péché,
c'est la mort. Tout côté qui est péché, qui est la mort. Conséquence péché, c'est la mort. Manifestation péché, c'est la mort. Résultat péché, c'est la mort. Donc là, le cap, elle a parlé, il dit c'est la loi du péché et de la mort. Donc cela veut dire cette loi, c'est non seulement la loi du péché, mais cette loi du péché va aussi amener la mort. Donc, Adam qui était pour nous comme héritage, la loi du péché et la loi de la mort qui a opéré dans les membres de nous. Maintenant, la loi de la mort, là, la loi du péché poussait vers le péché. La loi de la mort poussait vers la mort. Depuis le Adam fin péché, il introduit la mort dans la création. Et la loi de la mort là, c'est lui-même qui est responsable. Toute la pléiade maladie où est qui manifestait dans le monde, c'est la loi de la mort. Dans le livre de Job, la Bible les maladies, la maladie, le premier né de la mort. Le Job t'es malade et puis il t'a parlé de maladie. Il dit le premier né de la mort dans mes membres. Il dit moi gagne le premier né de la mort dans mes membres. Qui ça t'a parlé? Il t'a parlé de maladie que le t'es gagné. Hein? L'être qui t'a mangé la maladie qui t'a mangé là, maladie. Hein? Il est maladie. Hein? Le premier né de la mort. En d'autres termes, comprenez ça bien. Dans la culture juive, le premier né, c'est lui-même qui t'est appelé pour le remplacer papa. C'est lui-même qui t'a gagné double portion. C'est lui-même que papa ne doit pas passer de temps avec deuxième petite, la troisième petite, la quatrième petite là. Mais premier né, hein, tout ça l'a fait, eh bien, il a toujours mis premier né. Hein. Côté, ses bras droits, il a entraîné, il a formé, parce que quel que soit le business, il a gagné, l'argent, il a gagné, l'héritage, il a gagné, c'est premier né ça que le bail a géré. Donc la Bible elle est la maladie, le premier né de la mort. Ça veut dire la maladie c'est bras droit la mort. La maladie c'est bras droit la mort. C'est ça qui fait dans toute bagaille qui touille moun dans l'histoire de l'humanité, dans accident, suicide, crime, pas rien qui plus touille moun sous la terre que la maladie. Parce que la maladie, c'est le premier né de la mort. La maladie, c'est une manifestation de la mort. C'est ça que fait toujours dit chrétien. Nous toujours dit chrétien. Et un chrétien, même si on raille péché, il faut raille maladie parce que tout sort du même côté. Vous entendez ça, m'a dit là? La Bible, elle est la loi du péché et de la mort. La maladie qui s'allie. La maladie, ce sont les premières manifestations de la mort. Yon maladie qui pas traité, yon maladie qui pas bien géré, yon maladie ou pas bien, ou pas prendre le coup, li mène à la mort. Parce que c'est le premier nœud de la mort, son manifestation de la mort. Est-ce que nous commençons à me dire, hein? Donc, nous toujours à me dire ça, chrétien, hein? Même j'en raille péché, c'est pour raille maladie. Ou pas quand on ou à goumé péché, ou à goumé contre adulte, ou à goumé, ou comprenez moi, et contre bagay qui mal, et puis yon vini yon bon diagnostic la mort, et puis yon dit yon 2 semaines pour vivre, ou bien yon 3 mois pour vivre, après ça dit l'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom d'éternel. Est-ce que l'éternel te dit ça, c'est lui qui mette la mort à l'encou? Est-ce que le dit ça? Est-ce que le dit c'est lui qui te voye? Est-ce que ça m'a dit? Donc, la maladie paraît, la mort paraît, la Bible est la loi du péché et de la mort, tous les de connecter ensemble, le lendemain paraître, quelle que soit sous forme ni manifester, que c'est maladie, que c'est pauvreté, que c'est la guerre, que c'est dépression, différemment, ou besoin de dire arrière de moi, ça. Vous comprenez ça, me dit, dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Donc, la Bible montre que Adam quitte en condamnation pour nous. Condamnation manifestée deux gens. Les manifestés par la loi du péché, qui a poussé les gens vers le péché, les manifester à travers la mort, qui a baillé les gens toute vie et forme de maladie qui n'a encore, etc. Alors, la maladie, ce n'est pas seule manifestation de la mort, il y a différentes manifestations. Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 6, là où elle a parlé de l'esprit de mort, où après il y a plusieurs manifestations, il y a maladie, il y a grand goût, pauvreté, famine, il y a la guerre,
gen dépression, gen discorde, gon paquet de manifestations. Yon l'homme te enseigné sous ça. Mais yon a grande manifestation, eh bien c'est la maladie. Adam qui ton condamnation pour nous, qui manifestait deux gens à travers la loi du péché et la loi de la mort. Mais la Bible dit l'œil au monde en Jésus qu'on y a. Oh, levez-moi, allez, dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. La Bible fait nous comprendre que tout enfant d'Adam, tout le monde qui sorti dans la lignée Adam, tout le monde qui sorti dans la race Adam, il est fait avec une condamnation sous tête. Condamnation par la loi de la mort, par la loi du péché, et condamnation par la loi de la mort. Mais il dit, puisque nous en Jésus, il dit, il n'y a donc, dis maintenant, ça veut dire, dans la vie chrétienne, il y a deux chapitres. La vie de tout le monde qui est converti, dans la vie, il y a deux chapitres. Le premier chapitre qui relève autrefois. Et puis, le deuxième chapitre qui relève. Le premier chapitre qui relève qui ça? Le chapitre qui relève. Ça veut dire que tu acceptes Jésus ou passer de l'autrefois et rentrer dans le. Il y a donc qui ça? Il y a donc. Aïe. Cherchez trois mondes, ou dans le maintenant, Pas parler autant que dans l'autre fois. Pas agir tant que dans l'autre fois. Pas réfléchir tant que dans l'autre fois. Pas même poser gré mal l'autre fois. Qu'on y a dans le. Il n'y a donc maintenant. Aucune condamnation qui sont pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Levez-moi, dit gloire. Kounia, l'apôtre Paul, expliquez-nous comment bon Dieu délivre-nous de condamnation ça. Parce que tout le monde qui fait, il fait en bon condamnation. Il a la loi, la mort avec péché qui a agi dans nous. Mais il dit, mais comment bon Dieu délivre-nous de condamnation? En nous lisant ensemble verset 2, il dit, en effet, après le fin dit, bon, mettez-moi dans verset 1 encore. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis il dit, en effet, en d'autres termes, bon m'expliquer comment le délivre de la condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire, moi-même avec le nous fait, puisque nous fait avec un corps humain, avec un cœur qui sorti dans la race Adam, qui sorti dans la lignée Adam, poumon sorti dans la lignée Adam, géo sorti dans l'île Adam. Zoteyou sorti dans l'île Adam. Ça veut dire, l'or fait dans le corps physique, fait avec une loi là-dedans qui est la loi du péché et de la mort. L'or fait ou fait avec. Et je vous dis, même l'or converti, loi là toujours. Est-ce qu'on comprend ça, m'a dit, hein? C'est ça qui fait que on moun gedoa, li gedoa fin converti et pour garder ouais, ou gedoa fin converti, mais ou gouma avec tentation toujours, ou fin converti, est-ce qu'on t'entend les samedi là, ou gouma avec mauvaise idée toujours, ou fin converti, ou gouma avec mauvaise pensée, ou fin converti et puis la maladie a attaqué ou parce qu'on chrétien, ça pas veut dire pas péché, parce qu'on chrétien, ça pas veut dire pas malade, parce que dans le corps humain, dans vos membres que vous avez hérité d'Adam, gagnez la loi du péché et de la mort. Est-ce que tu as dit ça? Qu'a opéré dans le corps ça. Et loi ça, c'est une loi universelle. Quel que soit côté où aller dans le monde, loi ça a fonctionné. Une bagaille qui fait une loi, c'est parce que l'universel. S'il pas universel, il n'y a pas une loi. Yo gen loi ba lion l'autre non yo carré le lion force yo carré le lion mais yo pas carré le lion loi
ça fait une loi. Une loi, c'est parce que mouchoir non maintenant, quel que soit pays dans le monde malais, depuis que la guerre la terre a tombé. Est-ce que vous avez même? Mal sous tête montagne, mal dans rivière, quel que soit côté, mais sous la tête, la gueule, et bien mouchoir a tombé. Nous commençons à me dire là, quelle que soit année, ya, que c'est 1980 ou bien 2040, depuis la gueule, mouchoir a tombé parce que l'universel. Ça veut dire, une loi, ça fait une loi, c'est parce que le pas admettre exception. Une loi, parce que le pas admettre exception, dans quel que soit pays, quelle que soit zone, quel que soit salier, il n'y a pas d'exception. Est-ce que vous avez même? Maintenant, plus que yon loi pas gen exception. Yon loi pas gen exception. Mais la Bible dit que bon Dieu délivre nous de loi. Comment yon loi qui fait pas gen exception? Et puis bon Dieu joint moyen, li délivre nous de cette loi qui pas d'accord exception. Maintenant, bon, faut comprendre ça. Ou gagne la loi de la gravité. La loi de la gravité, c'est une force qui attire tout objet vers le centre de la terre. Maintenant, loi de la gravité a râlé toute bagaille tombée. Mais pendant la loi de la gravité râlé toute bagaille tombée, avion volé. Et puis, il aurait été dans l'air. Pendant 30 minutes, pendant une heure de temps, pendant deux heures de temps, pendant trois heures de temps, pendant huit heures de temps. Comment se fait-il que yon loi qui va admettre exception? Et puis pour yon avion, joint moyen, li voler, li rete dans les airs pendant 8 heures de temps, pendant 10 heures de temps. Yon loi pas admettre exception, mais ou ka briser yon loi avec yon loi qui pi fort passé. Hey, hey, hey. En d'autres termes, li gen loi pas gen exception, mais si ou gen yon loi qui pif faut passer, li gen loi venir et puis li surmontel côté li pas gen effet sous li. Donc les hommes des besoin fait avion, yo dit qu'on ça me comprendre que la loi de la gravité, la loi de la pesanteur, admettre attire tout objet vers le centre de la terre. Mais yo étudié et puis yo tombé sous yon l'autre loi qui est la loi de l'aérodynamique. La loi de l'aérodynamique, qui ça le dit? Il dit aussi longtemps que yon objet a déplacé à certaines vitesses, la loi de la gravité pas de autorité sous lui. Donc si me prend roche et puis me tirer là avec force, aussi longtemps que roche là a déplacé avec vitesse la loi de la gravité qui a râlé toute bagaille vers le centre de la terre, il pas qu'à râler parce que gagnons loi puis faut passer qui surmonter force qui a râlé en bas. Et puis la Bible dit comme ça, l'œil au monde qui n'acceptait Jésus, même si dans le corps humain où il y a la loi du péché et de la mort, mais jour accepter Jésus, alléluia, jour accepter Jésus, moi dis jour accepter Jésus, je dis jour accepter Jésus. La Bible dit en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit, alléluia, pour le jour de la rédemption. Jour accepter Jésus, Jésus finit avec une loi en dedans qui est la loi de l'esprit de vie. L'ipi fort par ses péchés, l'ipi fort par ses adultères, l'ipi soit par ses volants, l'ipi fort par ses mensonges, l'ipi fort par ses bois clairs, l'ipi fort par ses cigarettes, l'ipi fort par ses. Hey, pour l'autre loi. Go la gloa. C'est ça que fait. Nous t'aimons trois amis. Nous t'apprêtons éclairé ensemble. Nous t'aimons femme moun ensemble. Nous t'aimons cigarette ensemble. Nous t'aimons zéglendo ensemble. Nous t'aimons tout les moun ensemble. Et puis nous tous les deux t'es inconvertis. Et puis bonjour papa. M'entrez m'ba Jésus la vie. Aïe aïe aïe. M'entrez m'ba Jésus la vie. Ou même on a éclairé toujours et pour me délivrer. Ou même on a volé toujours et pour me délivrer. Ou même on a madame toujours et pour me délivrer. Ça que fait ça, c'est parce que je m'accepte Jésus. Pour l'autre loi, pour force, qui commence à fonctionner en dame. Gardez moi qui se retourne là. Dis-moi force en dame. M'pas prêter côté mieux. Péché pas marrer. Cigarette pas marre, ou éclairé pas marre, madame moun pas marre, volant pas marre, maintenant pas marre, bail menti pas marre, parce que mon bagaille qui n'a moins, qui pif fort,
qui pis fort. Passer la loi du péché. Passer la loi du péché. Chrétien yon ka tombe dans le péché, mais le pape rete dans le péché. Li pape dormi dans le péché. Li pape nager dans le péché. Li pape naviguer dans le péché. Li pape bâti cani dans le péché. Parce que gon loi ka pousse le sorti. Sou quoi ça dit gloire? Et puis ça me remet. Verset a dit non seulement, il dit la loi de l'esprit. Ça me dit, en Adam, ou prend la loi du péché et de la mort. Mais l'on accepte Jésus, ou qu'il y a la loi de l'esprit de vie. Et puis il dit la loi de l'esprit de vie, à qui ça le fait? Il est libéré, premièrement, de la loi du péché. Et puis, regardez. Il dit, deuxièmement, il est libéré tout de la loi de la mort. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, c'est la mort là, il est venu à cause du péché. Il est libéré de la loi de la mort. Moi, je trouve comme ça, que la maladie, c'est une manifestation de la mort. Ça veut dire cancer, son manifestation de la mort. Ça veut dire tension, son manifestation de la mort. Problème que son manifestation de la mort. Moun qui pas bien Jésus, il y a une seule loi dans lui, il y a la loi de la mort. Mais moi-même qui chrétien, je dois faire cœur, je dois faire cancer, je dois faire diabète, je dois bagarre. Même pour l'autre loi dans moi. Hey! Yeah, 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 hey! Yeah, 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 hey! En tant que chrétien, ça va bleu dire pas malade, non? Ça va bleu dire pas malade. Ça va bleu dire pas bon maladie. Ça va bleu dire pas bon bagage qui va fonctionner bien encore. Mais moi-même, moi, bon surplus que un converti a pas gagné. C'est ça que fait l'or comprendre ça m'dou là. L'or va la caille docteur et puis au bon mot faire diagnostic. Ou pas sortir tête en bas, même j'avais païen. Ou pas sortir tête en bas, même j'avais boule qui va prendre bon Dieu. Ou pas sortir avec l'eau danger. Ou dit doc, moi comprendre, sortir. Ça qui pas d'être dans l'examen, c'est la loi de la, du péché de la mort. Ça qui pas d'être dans Tesla, c'est la loi du péché de la mort. Ça qui pas d'être dans MRI, là, c'est la loi de la mort. Mais doc, comme 3 mois, m'a chercher mon Dieu, m'a chercher Jésus, m'a chercher l'éternel, moi. M'a dans la parole, moi, m'a dans le jeûne. Hey! Hey! Yeah. Ça veut dire nous tous les deux, qui nous avons la même maladie, nous dans la même chambre l'hôpital, nous étions des même côté, nous avons gardé le même docteur, nous avons utilisé la même toilette, nous avons mangé le même manger, nous avons nous même condamnation, nous avons nous même temps pour vivre, dans la cabane de l'hôpital là, ou même nous mourir dans un mois, parce qu'on va contre Christ. Moi-même, dans 2 semaines, moi, dans la présence, mon Dieu m'a loué. Nous devons t'en sortir. Nous devons t'en mettre dehors. Nous devons t'en mettre dehors. Nous devons t'en mettre dehors. Malé. Je ne vais pas quitter ça. Je ne vais pas quitter ça. Regardez. Je vais faire un bagage. Lorsque vous comprenez, ça me saute expliquer. Lorsque vous comprenez, ça me saute expliquer. Vous allez comprendre. En tant que chrétien, docteur, pas que nous avons date la mort. Non. Je ne vais pas. Qui va les tonger le docteur? M'paquet qui va les temps, qui va les diplômes ou gagner? M'paquet qui va les caisses ou gagner? Ou mettre 50 ans? Aïe, ou à pratiquer? Tout le monde ou te ouette mourir avant yo, c'est pas rien. Moun qui va gris, yo te gon seule loi, yo te gen la loi de la mort. Mais moi-même, moi gon bagay qui pi plus, moi gon loi qu'on va t'apprendre dans l'école de médecine. Docteur, hey! Gon loi qu'on va t'apprendre dans la biologie. J'ai une loi qu'on va t'apprendre dans la pharmacologie. J'ai une loi qu'on va t'apprendre dans la classe anatomie. Hey! Je te montre la mort. On va connaître une loi qui est la loi de l'esprit de vie. Là, il y a un mauvais résultat.
Nous dit la loi de l'esprit de vie, take over. Là, il dit mon mauvais parole, la loi de l'esprit de vie, take over. Là, il parle au mauvais diagnostic, la loi de l'esprit de vie. Shekinah app, téléchargez-le, Kounia.